Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de TP League en Camembert sur EU4 bien sûr, et avec Damned bien sûr. Salut Damned! Salut tout le monde! Et on reprend du coup notre petite partie qui était dans une phase relativement calme. On avait une guerre en cours, mais c'était pas non plus fifou. Je me tâte à te filer le Maine, parce qu'au final, me sert à rien cette province. Bah oui, si tu veux, je trouve que c'est bien que tu gardes Calais par contre, en tout cas au moins pour le moment, on verra plus Ouais, tard. Calais, Mais pour le moment, Calais, ouais, c'est bah clair. surtout que j'ai pris les ventes là pour l'instant, puis je sais même pas Oui. si je peux te le filer. Par Non, contre, ouais, non, le mais. Maine, en plus, c'est une province qui rapporte pas mal de thunes, donc ça ne pourra que t'aider. Eh ben écoute, ma Alors, foi. accorder une province. Ah, je peux pas parce qu'on est en guerre, très bien. Donc, bah, du coup, dès que la guerre sera finie. C'est ça. Oui, non, mais moi ça me va bien, hein. Alors, on va poser notre mec avec ses trois de siège ici, et après, on recule ces troupes là. Voilà. Ah, on passe de moins 7 à 28%, ça fait plaisir quand même. L'Autriche a déclaré la guerre à la Valachie. Eh bien, parfait. On va peut-être pouvoir rembourser un emprunt bientôt. Rembourser un emprunt. 160 il faut. Ouais, pas tout de suite quand même. Donc c'est Ormonde 2, notre ennemi principal, hein. Donc du coup on va d'abord faire une paix séparée avec l'Inde Ricardée, les bouffer, et puis prendre leur fortune qui doit s'élever à au moins 10 pièces je pense. Au niveau des états, ouais, ça doit être toujours de la merde j'imagine. Ouais, attends. C'est le drame, c'est le drame. Pays est en guerre, des emprunts. Alors l'agitation, ça donne quoi maintenant qu'on a plus notre point de stab? Oh, on est quand même encore à un moins 96. Notre conseiller nous sauve quand même là-dessus. Il va certainement pas tarder à clamser, mais en attendant, il nous aide bien. Ah, un petit siège à 64% qui tombe pas, mais dis donc. Ça faisait longtemps. C'est clair. Et voilà, c'est tombé. Alors, petite bataille navale, on va voir si on arrive à piquer un ou deux bateaux en passant. Sait-on jamais, hein? Sur un malentendu. Et on va avoir une révolte, hein. Séparatiste d'Esmondé. Alors, du coup, je me pose 2 secondes pour faire la paix. Fait. Ici, paix, bah on prend ton pays, hein, c'est clair. Oh, il a 15! Ouh là 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 là! Quasiment une fortune, ça déconne plus. Quasiment. Ça coûte cher à Ah, c'est légitimer bien, ça par t'a permis contre. de bien t'étendre, ça. Ouais, bah de toute façon l'Irlande. Bah après j'aurais pu vassaliser et prendre, mais vu que niveau relation on est un peu short, j'y vais comme un porc, hein. Je ne m'en Tu cache pas. pourrais prendre Sligo aussi, en fait. Il me semble qu'il avait Il des est. alliés. Ouais, enfin, Ulster et Munster. Oui, Pour enfin dire. après voilà, c'est ça, je crois que c'est Sligo, il entraînait le reste de l'Irlande, ouais, dans la bataille. Ouais, mais lui ça va. Leinster aussi qui est allié aux îles. C'est le truc bleu à gauche de l'Écosse. Ça c'est pareil, c'est tranquille. Mais le problème c'est que je vais avoir des révoltes. Ah, Ah oui, alors Desmond. effectivement. Mais. C'est où c'est là, Desmond? Ouais, c'est là. Non, c'est absolument pas là. Si, c'est ça. Tu me fileras le main quand tu auras 2 secondes avant que J'essaie de t'oublies. comprendre parce que j'ai Desmond mais j'ai aucune province qui s'appelle Desmond. Donc du coup ça doit probablement être où j'ai de la merde dans les yeux. Je crois que c'était là Desmond. Cork. Donegal, Tyrone, Pal, Kings County. C'est pas un truc qui est là? Bah ben non. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends. C'est Parce que du coup ça Simon. va péter, je vais complètement rater le truc. Voilà, oui, c'est ça, à Cork. On est d'accord. C'est à Cork. Indépendance de Desmond à Cork, on est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ça me rapporte 0,3. On leur claque de l'autonomie, c'est bon. Hop. Il n'y a pas l'absolutisme encore, donc. On va lancer un petit entraînement. On va rembourser un emprunt. Autorité en concurrence. Putain, mais alors, les événements toujours partout, partout. Qu'est-ce qui se passe? Bourgeois ou clair? Dans les deux cas, c'est la merde. Ah ouais, dans les deux cas, c'est carrément la merde. Les clercs ont plus de loyauté. Donc on va faire en sorte que ce soit eux qui perdent.
Et on va te filer le Maine. Alors, faut que je passe par ici, par là, accorder une province, le Maine. Ça va à 10 minutes en aspiration à liberté de 8%. Eh ben écoute. Oui, bon. C'est vrai que c'est marrant, t'as effectivement une aspiration à liberté, ouais, c'est ouais. Super. Ouais. Mais ça va, je veux bien le vivre, quoi. Tu me diras si jamais tu comptes péter un plomb. Oui. Non, mais on se libérera un moment et puis voilà. Mais je sais pas si tu peux faire ça proprement, en fait. Si, tu dois pouvoir. Si, je peux pouvoir te libérer. Je peux te libérer. Ouais. Je pense. Ouais, pour le moment. Bah, il y avait les avantages de la marche quand même. Après, ouais, ils y sont plus après. Hein. Bah, je crois que t'en as toujours un peu quand même. Hein. Ou alors c'est moi qu'en ai. Attends, je crois que je sais plus. Grâce à la Normandie, j'ai plus 2,60 de limite terrestre, ouais, quand même. Ah bah oui. Non, mais après, pour le moment, de toute façon, je vais pas pouvoir me faire plus d'alliés que ce que t'as toi, hein, clairement. Ouais, c'est clair que t'allier à la Castille et à l'Autriche, ça va peut-être être tendu. Ouais. Ouais, tandis que là, au moins, je profite de tes alliances. Si je me fais attaquer, tout le monde rentre en guerre, dans un sens. C'est vrai que c'est pas plus mal, ouais. Pour l'instant, tant qu'on n'est pas trop sécurisé sur le continent. Exactement. T'as pas non, moi, ça... J'ai pas trop de problèmes. Au moins, voilà, on a... Si tu perds une alliance, tu la perds. Si tu l'as, je considère qu'on l'a tous les deux. Dans un sens, moi, ça me va. Voilà, bon, c'est pas grand-chose, mais j'ai fait 3 bateaux de transport, ce qui fait que si jamais on monte à une guerre, bon, j'ai que 8000 hommes, hein, mais je pourrais toujours les ramener. Quoi. Mieux que rien. C'est clair que ça sera toujours ça de prix, ouais. Alors ici, on a piqué un bateau, d'ailleurs, un vaisseau léger. Non, j'économise. Bah, on va le dropper, je pense. Danemark ne considère plus Angleterre comme son rival. Est-ce que je suis devenu trop petit? C'est ça que tu dis, Danemark? Faut le prendre comment? C'est clair. Ouais, ça rapporte plus rien, il y a tellement de... Ottoman se prépare à attaquer Byzance. Ah, il a pas encore géré Byzance, l'Ottoman, la vache. Ah oui, il reste un petit bout de Byzance par là, effectivement, j'avoue. Un truc qui s'appelle Épire aussi. Les bourgeois exigent des privilèges. Alors... Pardon. C'est... À tous un peu. L'un de nos ancêtres était un saint. Tedeum, gain de 1 en stab. Ah bah parfait. Je dis oui. Donc là on va prendre ça. C'est pas une ultra prioritaire. Bon ça, par contre faut avouer que en termes de puissance financière, l'Angleterre ça va. J'ai quasiment un de surplus de coûts à cause de mes bateaux. J'ai un emprunt en cours et je gagne quand même 5,50 par mois, quoi. En entraînant mes troupes et tout, quoi. Ouais, non, mais oui, c'est clair. Hein. Une fois qu'on s'est débarrassé du 0-0-0, déjà ça va mieux. Ah bah oui. Bon, il y a quand même je du retard bien à rattraper. Te croire. Hop, bah alors la mission. Accroître nos revenus, on va la prendre tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Comme je veux faire des constructions et que ça me fait des réductions, on va prendre. Nombre de ports au moins 40, lever des troupes. Ah, j'ai même pas 100% de ma limite, quoi. C'est la tristesse quand même. Et puis je dois être tellement en retard en termes de doctrine aussi. Genre le Portugal, il doit déjà être en train d'explorer la moitié du monde, non? Oh, doctrine clairement. D'exploration, ouais, c'est parti. Ah, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça lag. Un petit lag, c'est rien. Oh, merde, le duché a perdu du prestige parce qu'ils ont refusé de voter notre loi, les salauds. Attends, ok, je regarde. Calme-toi le jeu. Ouais, je sais pas ce qu'il lui prend là. Les clercs gagnent en loyauté. Nanana. Coup de conversion culturelle, on s'en fout. On va prendre ça. Cantonnement des troupes. 21% de chance. Ah merde. Perte de 10 en puissance diplomatique.
accorder un commandement terrestre. On perd un peu en tradition, dégage, perte de dons en influence sur le peuple, on s'en fout. Ok, on va acheter eux et eux. Et aussi eux. Voilà, 85%. J'enlève la pause. Non, c'est toi qui as mis la pause. J'ai même pas eu le temps de mettre la pause, tellement ça laguait. C'est bon. C'est pas grave. On est en vitesse 1. Ouais, c'est bon. Je suis remonté à 3 là pour le moment, on va voir comment ça se passe. Oui, l'Écosse. S'il le vit bien. Leinster revendique Cork. Les salauds. Par contre, je gagne plein de points de réforme gouvernementale, ça fait plaisir. On va améliorer les pays voisins. On peut prendre la technologie. Il ne reste plus qu'une annexion pour la France, c'est l'Armagnac, dans 6 ans. Et après, elle aura tout le monde. Elle aura absorbé tous ses vassaux. Bah ouais, fallait s'y attendre. Bah oui. On est passé tech 5 admin, diplomatique. C'est la teuf. Youpi. Joie. Bon, et on prendra direct l'exploration, je pense. L'exploration ou l'expansion? Oh, l'exploration. Oh, l'exploration. La quête du nouveau monde. Ça me paraît quand même pour l'instant plus intéressant. Faire mon premier bâtiment, nom de Dieu! J'achète! Ça y est, je peux faire mon premier bâtiment et ce sera bien évidemment un temple, hein, parce que argent. Alors, du coup, Ulster et Munster. Ulster, c'est ça. Sligo et Munster. Et Munster, Écosse, machin et tout. Ok, donc on pourrait se faire ces trois-là relativement aisément, on va dire. Oh bah là ouais, en Irlande faut que tu te fasses plaisir tant que c'est possible. Hein. Bon, le Kildar, allié à l'Écosse et la France, non. Ouais, mais même tu vois Munster qui est allié à Écosse, on peut l'entraîner avec, avec Sligo je pense. Donc il y a moyen. Bon, on a toujours un emprunt mais c'est pas très grave. Alors ils sont tech combien ces gens? Tech 5. Putain, on est en retard sur l'Irlande quoi. Ça fait quand même mal de se dire ça. Ouais, bah ouais. Mais bon. Et du coup, je suis même pas sûr. Ouais, s'il y a 7000 contre 2000 quand même, moyen. Notre prestige en plus, c'est complètement le drame. Du coup, ça nous fait un malus de morale de 3%. Pff. Oh là là. Province légitime non contestée. Alors attends, période difficile, hein, qu'est-ce qui se passe? On peut demander du blé à la Normandie. On peut demander une diplomatique, une aide militaire, des troupes ou un besoin de personne. Si tu veux du militaire, vas-y, je peux t'enfiler un petit peu. Ben, je me tâte entre gagner 10 de prestige parce que je suis quand même à moins 33. Ah oui. Demander de l'aide militaire parce que passer tech 5 ça mènerait quand même. Mais je pense qu'on va, on va prendre le prestige pour l'instant. Ouais, ça fait mal ton prestige là. Ouais, moins 33, ouais, bah. Entre l'abdication et puis derrière les événements pourris, à un bout d'un moment. Ouais. Allez, on fait une revendication là-dessus. Hop. Hop. Après, le problème de prendre aussi ces territoires, c'est que ça va me bouffer des points et pour ma doctrine. Donc je vais peut-être attendre de prendre la tech. Et après on s'en occupera. Est-ce qu'on n'a pas un conseiller qu'on pourrait prendre là? Modif d'entretien terrestre, ouais mais c'est un plus 2, ça fait mal quand même. On va prendre lui. On peut se permettre de payer un conseiller. Longévité des navires plus 10%, bah c'est cool. Très très bien Edward. Cardinal ministre, alors, bon, attends, je vais le lire. 10 de prestige, voilà, c'est cadeau. La corruption aussi, c'est un peu, ça pique un peu. On peut pas payer un peu plus pour la corruption. Voilà, hop. Hausse de la stabilité, oh bah ça c'est bien ça. Ah bah oui, toujours. Allez, 3 stabilités, ouf.
J'hésitais à la prendre, mais bien fait de pas le faire. Tu t'es pris une baisse de la stabilité dans la folie ? Non, une hausse juste. Non, une hausse, oui, une hausse. Je crois que t'avais été pris une hausse et juste dans la foulée une baisse. Le jeu serait bien capable de nous faire ça quand même. Reviens à toi. Toi aussi, reviens là. Ou encore plus drôle, tu sais, t'es déjà à 3, il te file une hausse, et après il te file une... Et après il te file une baisse, ouais. Ah, je pense que ça a dû déjà m'arriver, ça. Tu dois avoir moyen de retrouver ça, je pense. Ouais, je regarderai toutes nos séries pour tous les épisodes, je vais tout regarder pour retrouver. Bonne idée, bonne idée. Je me savais pas quoi faire, justement, ce week-end, à rallonge. Ça y est, on peut prendre une doctrine. Privilège monopole sur le vert. Alors attends, excuse-moi. Vas-y. Concéder ce privilège... en mercantilisme et on va gagner tout de suite, mais on n'aura plus de revenus sur le vert. Où on arrête? Je vais le reprendre. Je vais prolonger. Et du coup, on va attaquer Sligo. Comme des gros connards. Alors on va mettre pause, histoire qu'il ne s'allie pas avec l'Écosse au dernier moment. Un truc du genre. Je sens bien l'arnaque là. La chance du signe noir. Alors, l'Autriche, la Cassie et le Portugal ne veulent pas venir, mais on s'en fout. Ils ont 5000 hommes, 1000. Ouais, bon, ça va, on va les défoncer. Tu n'as pas besoin de moi? Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Sauf si ils arrivent à mettre une fessée à mes 7000 hommes avec leurs 2000. Ça devrait le faire. Allez, on sort, c'est parti. Hop là. Comment il fuit, je pense pas. Ouais. Ça c'est pas parfait, ça. Toutes tes troupes sont prêtes, elles se jettent dessus, ils ont rien le temps de voir, et voilà, ça y est, c'est fait. Ah bah là... C'est clair que l'Irlande, tu peux te poser à côté, t'es tranquille quoi. Alors bon, autant le siège en bas à gauche, il va pas avancer, mais en attendant, ils peuvent plus faire de troupes. Donc c'est bien. Parfait. Ouais. Je vais laisser, je pense. Alors, ici, on prend 1000 hommes avant que j'oublie. Hop, on pose le général dessus. Et on va là. On replie. Faire ici. Une nouvelle construction. On va faire un petit marché local. On prend 1000 hommes. Hop, on laisse juste un mec dessus histoire qu'il puisse pas faire de troupes. Et on se barre. Et on économise au maximum. Oh là là, mais faut arrêter de perdre du prestige quoi. 50 points de puissance diplo. Oh putain. Oh la vache. On peut se couper en deux ici. Détaché pour le blocus. Non, faut qu'on laisse des bateaux parce que quand ils vont sortir, ça va faire mal sinon. Allez, on va faire un petit blocus ici pour aider. Donc là, tu se fous de ma gueule, il se balade avec ses bateaux de commerce là. Non, mais tu crois quoi, Ulster? La prochaine guerre avec l'Écosse, mon gars, il aura pas le détroit. Et ça, c'est pas mal. La dernière joute. Hein? Attends, quoi? On perd 30 en splendeur? C'est quoi ce truc, la splendeur? Joker? On perd 30 en splendeur? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Europa Universalis 4, la splendeur. Il y a le nouveau truc de dirigeant là. Point de gouvernance, mais ça doit pas être ça, c'est où? Là. La splendeur est la monnaie spécifique aux âges qui vous permet d'acheter des pouvoirs. Ah oui, c'est ce truc là, mais oui, c'est ce truc là. Oh bah oui, bon, on s'en fout. De toute façon, vu qu'on en était bien... Bon, ça me coûte 67 ducats et 30 points de mine. Limite, c'est plus chiant. Par contre, je vais avoir plus de morale. Ça fera pas de mal. Plus de tradition terrestre et plus de prestige annuel. Ou alors, je perds du prestige. Bah, non, bon, tant pis, on va claquer des points. De toute façon, j'aurai pas ce qu'il faut pour légitimer les territoires. Donc, autant assumer jusqu'au bout. Un exilé français. Ah. La France nous aime mieux. Pardon. On prend le prestige, hein. La France, on s'en fout totalement. On accueille les exilés français avec grand plaisir, nous. Venez, exilés français, venez. Du coup, on a un mec
Ici, pour remplacer lui quand il va clamser, parce qu'avec 26% de sens, il va clamser. On peut faire une réforme gouvernementale. Alors, on peut faire de l'administration décentralisée ou de l'administration centralisée. Ah bah, nous, on est centralisés, nous, bien sûr. Carrément, on est centralisés. La vache, les 3000 hommes, sans le général et tout, ont réussi à prendre le siège avant le général étoile avec ses 3 de siège, quoi. Et on coule les bateaux. Parfait, on va se réparer un coup. La Bourgogne a déclaré la guerre à la Savoie. Très bien. Ah, et ouais. On peut prendre une nouvelle tech avec des nouvelles troupes. Oui, on peut se permettre même si on est en guerre. Hein. C'est bien dommage que... qu'on ait encore 4 ans de trèfle parce que j'aurais attendu un peu qu'il avance dans sa guerre et ça aurait été le moment de lui tomber dessus. On va prendre les Galloglaces. Mais... les Argolaces ou les Arcolons? Non, les Galloglaces. Allez, hop, c'est parti. Allez, toi, tu vas faire le siège là-bas. L'Écosse a déclaré la guerre aux îles. Hein, ah bah, il était temps. Ils sont alliés à Leinster, mais vu que Leinster... Ah non, ils sont encore vivants, mais... je sais pas s'ils peuvent bouger de là où ils sont, Leinster. Bon, on a plein de cardinal ministres qui nous font gagner du prestige, c'est très bien. Bah, il peut bouger s'il a des bateaux, ouais, mais... Ouais, mais non, il a que des bateaux de commerce. Bon, ici, on se répare en speed et on va rejoindre, parce que mine de rien, il y a quand même 20 bateaux qui vont sortir, là. Ah merde, mais ils sont quand même pas assez nombreux, c'est con, j'avais pas vu. Pardon, pardon. Putain, mais il faut être combien pour faire ce siège là? C'est quoi ce délire? Oh, t'as encore 3000 hommes à côté qui font rien, et 7000 plus haut qui font rien. Ouais, mais et attends, les autres sièges, je les ai fait avec 3000 hommes quoi. C'est parce qu'il y a un fort, c'est ça? C'est ça que vous me dites? C'est pas là. Voilà. Ah bah oui, il y a un château. Bon bah. 11000 hommes pour faire ce siège. On peut construire des infrastructures. Non, on va essayer de rembourser notre dernier emprunt. Alors on peut peut-être faire une paix avec lui par contre. On prend ça. Et il a 4 dessous. Et on aurait une coalition. Ok, vu qu'il y a une coalition, on va attendre. On va rappeler un maximum de diplomates et on le fera d'un coup. On a 82 en Écosse. On peut soutenir des rebelles. Ouais, beauf. Hop. On va garder nos 3 diplomates et on fera la proposition de paix des 3 d'un coup. On peut plus revendiquer Dumfries. Ah merde, c'est ça Dumfries. Ah le drame. Bah vu que j'ai lâché, non, j'ai pas assez. Ah, dommage, dommage, dommage. Et bon, on y retournera après. Ah tu vois, ils participent en faisant des blocus. Et il est en train de fabriquer 3 bateaux de transport, donc il va se défendre quand même. D'ailleurs, l'Écosse, bah, pour l'instant, elle fait rien, elle est nulle part. Ouais. Combien de troupes l'Écosse? 8000 toujours, 20000 réserves par contre, ouais, ça reste plus correct. Hein. La France nous a insultés, nous a accablés d'outrage. Nous avons entendu dire que l'héritier James aimait chasser. Soyez prudent, il serait dommage qu'un malheureux accident survienne. Nous allons devoir apprendre à ces barbares comment se comporter à l'égard de meilleurs qu'eux, et tout à fait. Et d'ailleurs pour ça, on va les insulter aussi. Outragé. Non, c'est pourri ça. Cette espèce de babiole sur la tête de Louis XI, c'est ça la couronne de France? Ah, c'est parfait ça. Tiens. Ah oui, c'est vrai qu'on peut en choisir des insultes maintenant? Ouais, tu sais, quand tu outrages, peut-être t'as l'insulte lambda, et puis après tu peux outrager. Et quand tu outrages, t'as un petit bouton random qui te permet de choisir des insultes oui, à la vrai. Con. C'est vrai que vous avez mis ça, ouais. Je le fais pas souvent, donc... Et puis là encore moins. Bah c'est pas mal, ça te fait monter pas mal ta démonstration de force, mine de rien. Oui, mais moi je pense même pas que je puisse en fait. Ah ouais, toi en tant que là, oui non, c'est peut-être que tu peux pas. Ouais. Alors attends, on va attendre la fin de la bataille navale.
Et après... Hop, on capture quelques bateaux ou pas? Non. Je vais mettre pause, je vais faire mes paix en speed avant que... Parce que la première paix que je fais, en fait, je me prends une... Je me prends une coalition dans la tronche, donc autant les faire toutes d'un coup. Ouais bah oui. Hop, voilà. Ensuite, cette paix là. Ah, je dois attendre une journée, merde. Hop. C'est fait. Ça passe vite, hein, les jours. Toi, on te taxe ta thune. Hop, on attend une journée. Et ensuite, on prend ça. Et voilà. Alors, par contre, ça va gueuler grave. Là, il n'y a pas à chier. Ouais, mais c'est beaucoup mieux comme ça quand même. Hein. Ouais, bah de toute façon, fallait le faire. Hein. Comme ça, au moins. Tu vas garder encore un petit peu Kildar, mais bon, il suffit d'une petite guerre et puis on en parle plus quoi. Alors attends, je dois claquer du blé pour aider une des familles ou alors je perds des points. Non, il faut arrêter de faire des points. Quoi. La Provence n'est plus alliée à la France. Les îles veulent un accès militaire pour la guerre contre l'Écosse. Bah oui, c'est vrai que maintenant ils ont même plus besoin de bateaux, ils peuvent carrément se pointer à pied à travers mes territoires. Venez, venez, venez. Ça c'est intéressant, je sais pas si tu m'as entendu. Ouais, la Provence n'est plus alliée à la France, c'est carrément intéressant. Ferrare et Sienne et la Lorraine comme partenaire mineur. C'est effectivement très très intéressant. Surtout que j'ai bien une revendication sur les deux. Oh, je pense quand même que... Parce que j'ai peur que la France le fasse aussi. Ouais, si elle a pété le truc, il y a moyen. Ouais. Après, le problème, c'est que je risque d'avoir une coalition, donc à la limite, on peut le faire tout de suite. Provence, déclarer la guerre. Donc, personne ne vient. T'es prêt? Non, t'es pas prêt du tout. Prépare-toi. Non, pas encore. Et ouais. On va essayer de le faire avant que j'ai une coalition qui me tombe aux fesses. Bah, parce que essaye de débarquer chez moi, comme ça... Ouais, bah ça y est, les troupes arrivent. Ah bah parfait. Non, par contre, comme un con, j'étais en maintenance... Bon, je surveille, hein, de toute façon. Mais si, faut qu'on soit... Ah, notre amiral est mort. Bon bah tant pis, notre amiral est décédé, c'est triste. Ottoman va attaquer Gênes. Bon, y a aucune troupe en fait là, donc on s'en fout, on peut y aller. Bah en soi, ouais en fait. Hein. Allez, c'est parti, déclarer la guerre pour la Normandie, prendre Anjou, prendre le Nantais. Prendre Anjou. Pas de préférence, pas de faire le développement à la limite, mais... Ils ont quand même 24 000 hommes en tout. Hein. Non, mais Anjou, c'est mieux. Ah ouais ? En comptant Ferrare et Sienne, ouais. 6 000 hommes en Sienne, 10 000 hommes Ferrare et Sienne, et 9 000 hommes Provençal, et 5 000 hommes Lorrain. Bon, on devrait pouvoir gérer, je pense. Ça devrait c'est surtout les réserves, en fait. 80 000 réserves... Ah oui. Allez, c'est parti. D'ailleurs, ça va être peut-être... Non, je verrai. Bah, à limite, je vais peut-être aller faire le siège, ouais. Parce que j'ai trois de siège avec mon gars, là. Tu peux peut-être passer en vitesse 2 aussi. Très bon choix. Putain, encore des points à perdre, mais faut arrêter, quoi. Entre des points ou du prestige, quoi. On va aller faire un petit blocus, même si je crois pas qu'il y ait de fort. Ouais, non, y a rien, c'est bon. Hop, là, je vais aller là. On va envoyer peut-être quelqu'un faire un réseau. Ça aidera. Le seul truc chiant avec la Provence, c'est que comme elle est à l'ouest de la France, au sud-est et au nord-est, bah. Si tu veux faire avancer les sièges, au bout d'un moment, faut y aller, quoi. Bah, au sud, ça va être chiant. Ouais, au nord-est, ça passe. Non, ouais, je pense à l'inverse, en fait. Au nord-est, ça va être chiant. Au sud, j'y vais ouais. Avec mes bateaux, au pire, quoi. Oui, c'est vrai. C'est un peu long, mais ça se fait. Bon, on va attendre de voir déjà comment ils réagissent. Mmh. On finira calé, à tous les coups. Et la Bourgogne se refait piétiner. Ah non, elle a bien pris la Savoie, quand même. Alors ce siège d'Anjou qui nous a fait quasiment perdre la guerre contre la France à lui tout seul, nous faire chier de nouveau? Ça a l'air d'aller. Tiens, qu'est-ce que je disais, 6 000 troupes de la Lorraine à Calais.
C'est ouais, original. Bah. Écoute, hein, franchement. Oui. Oui, oui. Une fois qu'on aura fini là. Bon, bah, je rentre mes bateaux à Vantai, puis éventuellement, on ira débarquer s'il y a besoin. Profite. Tiens, tes bateaux se réparent d'ailleurs, apparemment. Ouais, ils étaient pas complètement à fond. Et bah, ça leur donnera l'occasion de. Ah, mine de rien, l'Irlande, il y avait quand même quelques bateaux à péter. Hein. Oui, carrément, ça c'est clair. Ah, lutte politique au sein des clercs. Les clercs gagnent en influence ou on soutient le candidat. Et on perd du prestige. Mais lâchez-moi la grappe, quoi. Laissez mon prestige, quoi. Je comprends pas où fout l'Écosse. Elle est toujours pas sur les îles, en fait. Bah, il y a peut-être. Du coup, ils sont à plus 15 les îles pour le moment. Il est Leinster. Bah, j'avoue, qu'est-ce qui est branle. Je comprends pas. Bah, il a peut-être. Mais si, il a des troupes en plus, il a 8000 hommes. Il a 11000 hommes maintenant. Il arrive peut-être pas à passer, hein. Parce que les îles ont un bateau qu'empêche qu'il bloque tous les détroits. C'est bien possible. Donc, s'ils ont pas ce qu'il faut. Ah, il y a 9000 provençaux qui vont se poser sur le Bessin. Tu veux y aller? Oh bah non, j'ai pas d'autre général, donc on va pouvoir gérer ça. On finit le siège, je pense, tranquille. Attends, si tu veux, on peut faire ça. Ah non, si. Non. Non, bah non, on peut pas faire ça. Je voulais leur filer les générales à mes troupes et venir avec toi, mais... Mais bon, non, vas-y, t'as raison, on a le temps. Bah, c'est qu'ils ramènent 7000 hommes de plus, mais bon, ça va, on est toujours... Ouais, bah de toute façon, même s'il a 21 000 hommes, ça représente moins que tout ce que j'ai, hein, donc... C'est vrai. Après, il va certainement en recruter. C'est en cours. Après, si le siège du Bessin tombe avant Anjou, je rage-quitte cette série. Hein. Bah, je te propose qu'on la rage-quitte tous les deux ensemble. voilà, tiens, une épidémie, mange. Ça t'apprendra. Je suis bien d'accord. Bon, le reste arrive, mais c'est pas grave. Ouais, j'avoue. Ouais, comme ça, ils vont se prendre un max d'attrition, c'est encore mieux. Je te permets de t'attacher à moi si tu veux, comme ça on sera... Je me permets de t'attacher à toi. Allez, tombe. Ouais, je préférerais qu'on le fasse parce que je sens que la France allait se jeter sur eux très 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 vite. Et ma foi, ce qu'on ne laisse pas la France, et ben c'est bien. Bah, ce qu'il faudrait pas, c'est que la France se geste sur nous là très très vite. Mais bon, normalement avec nos alliés, ça devrait aller. Ils sont pas trop occupés ailleurs. C'est ça. Ouais, je suis passé Texas au passage. Ça va pas leur faire du bien, ça. Bien joué. Elle est combien, elle? Texas aussi. Bon, bah. Ouais. Moi, j'ai même pas encore réussi à prendre ma première doctrine, quoi. Ouais, mon pauvre. Ah la vache. Ouais, tu rattraperas le retard, mais... Ouais, ça va revenir, ouais. Ouais. Tu sais, toutes les parties où on faisait ensemble, en général, c'est moi qui étais en retard. Sur c'est toi. Vrai. Et je finissais toujours par te rattraper ou au moins arriver à ton niveau. C'est vrai, c'est vrai. Terre, je m'inquiète pas trop quand même. Mais ouais, enfin, faut avouer que le 0-0 qui en plus te génère un bah oui. événement pourri. Bah oui, non mais complètement. Hein. Voilà, ils ont fait une brèche, je passe à moins 42%. Parfait. Ouais. Ah oui, c'est pour ça que je suis en négatif, ils sont en train de piller ma cité. Moins 3,60, oui, ça fait toujours mal. Hein. Et c'est pareil, hein, ils sont en train de prendre Calais, c'est con. Hein. Oh là là, encore une épidémie deux fois de suite, quoi. c'est un truc de fou, quoi. Bon, cet épisode est un peu long, on devrait l'arrêter, mais on va au moins réussir à apprendre ce putain de ouais, rendez-vous, quoi. Carrément. Sérieux. Donc attendez-vous à ce que l'épisode dure 10 minutes de plus, hein. En plus, j'ai posé un réseau, bon, il est pas hyper développé, mais quand même, quoi. Oh là là, il est passé en positif à Calais, quoi. Mais sortez-les. J'avoue que... Ouais, désertion chez les défenseurs, oui, d'accord, mais bon. Oh la vache. J'en reviens pas. Calais va tomber à 7%, tu vas voir. Ah, quand même pas. Non, mais oh, bon. Par contre, ils ont monté à 21, quoi. Mais j'ai 3 en siège, quoi. À un moment, faut que ça joue aussi.
Ah, attends, pause, pause. Le sac de Angers. On perd du blé, on va reprendre un emprunt. On gagne du professionnalisme, on punit les coupables. Oh là là, encore un emprunt. Bon, allez, on va prendre du blé, la Provence. Allez, on y va. On arrête l'épisode là. Allez, on arrête l'épisode là. Ouais, c'est bon. Hop, on arrête l'épisode là. Il est suffisamment long. Et lors du prochain, on ira fesser la Provence en espérant qu'elle nous mette pas une grosse baffe. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'est pas facile, franchement. J'avoue que c'est... Non, bah tant mieux hein, aussi. Hein. J'ai pas beaucoup joué en Europe, mais je galère plus avec mes start Europe que quand je joue un pauvre pays en plein milieu de l'Afrique ou de l'Asie, c'est ouf quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, mais bon, bah, c'est pas grave. Il y a du challenge en face aussi, c'est peut-être pour ça. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et bah du coup, on se dit à très vite pour la suite. A plus les gens!